Sur la place Albert Fauché, du nom d'un résistant limousin tué lors des combats du 7 juin 1944, 250 personnes se sont rassemblées pour dénoncer les provocations de l'extrême droite. On voudrait nous faire croire qu'il y a des bons extrémistes de droite, le FN, et les mauvais, ces groupuscules. C'est faux. Il faut dire qu'à quelques encablures de là, le Front National vient d'ouvrir un local et que, comme par hasard, la DNR, la Division Nationaliste Révolutionnaire, un groupuscule fasciste, compte faire de même, de quoi ulcérer les anciens combattants communistes de la Corrèze. Bertolt Brecht avait raison quand il disait « Le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde ». Dans la ville martyre, les intentions des héritiers du national-socialisme ont vite été démasquées via la lecture de leur prose sur les réseaux sociaux par des trentenaires apolitiques mais parfaitement engagés pour la défense des libertés. Je ne pensais pas qu'il y ait des gens qui étaient aussi haineux et aussi à un tel point et qui s'installent à Tulle. On ne voyait pas l'intérêt et vraiment on n'a pas compris. Et l'incompréhension est d'autant plus forte que les héritiers de l'infamie s'en donnent à cœur joie sur la toile, discours de haine et de rejet qui sidèrent les tullistes. La mémoire de Tulle ne peut pas être bafouée par des gens qui prônent des choses aussi horribles que ce que prônaient les nazis à leur époque. Voilà. Il y a toujours une menace, à votre avis ? Une menace, je ne sais pas, mais enfin la présence de ces gens ne doit pas être acceptée à Tulle. Ils ne passeront pas, disent en substance les manifestants. Sur le quai des martyrs, ce mot d'ordre devient une consigne, une impérieuse nécessité.